Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue à la Playroom pour ce nouvel épisode de Starbound, toujours sur la décoration et la création de cette station spatiale. Nous allons reprendre un petit peu tout ce que nous avons pu faire récemment, et donc je vais vous remontrer un petit peu ce que j'ai fait. J'ai légèrement remodifié le système, vous voyez, donc en fait je ne peux plus, bizarrement suite à une mise à jour j'imagine, récupérer, vous savez, automatiquement le truc jusqu'ici. Du coup je l'ai arrêté là, et vous voyez que là en fait du coup j'ai câblé qu'un seul point, ce qui fait qu'avec le premier bouton, je sais pas s'il y est. Il y était peut-être déjà. Non. Voilà. Bon. Voilà. Avec le premier bouton, voilà. Donc, j'appelle l'ascenseur. Et avec le deuxième bouton, je le fais monter. Jusque-là, rien de très compliqué. Hop. On descend. Donc là, j'ai mes deux boutons pour l'appeler quand je suis ici. Là, pareil, j'ai mon bouton qui est câblé, qui est ici. Là, je n'ai pas mes boutons. Donc, je vais les câbler. Donc, même système en haut qu'en bas. Vous connaissez le principe. Je les ai... Merde, faut le dire, merde, ça me fait chier. Bref. Ok. Tout ça pour dire que... ici, il y a bel et bien notre principe du... alors normalement, ce sera au rang 3. Je vais les mettre au niveau de la ceinture. Ce que j'appelle moi la ceinture. C'est-à-dire l'espèce de... bah, de la croix directionnelle, quoi, vous voyez. C'est tout bête, hein. Donc voilà, et là aussi en bas ça l'appelle. Pareil ici, ça l'appelle. Il est un cran au-dessus de la ceinture. Peut-être tous les mettre au niveau de la ceinture, ça peut être sympa, hein. Au niveau de la ceinture, de chaque côté, ça peut être... même si c'est un poil redondant, je pense que ce genre de choses, ce sont des, vous savez, les choses qui sont entre guillemets redondantes même dans la vraie vie finalement. Donc voilà, autant en profiter. De toute façon je pense que je les ai bien placés ici, voilà, parfait. Et donc là j'ai plus qu'à le replacer. Ok. Toi, excuse-moi de t'embêter. Crac, crac, et on est bon. Vous inquiétez pas pour la décoration, entre guillemets, je vais la faire bientôt. De toute façon, on va la commencer tout de suite, hein. Clairement, là, la décoration, c'est pour maintenant. Donc, ici, je supprime. Crac, vous allez comprendre pourquoi tout de suite, c'est très très simple. On peut voir qu'ici, déjà, j'avais rajouté ce qu'il fallait. Autrement dit, ici, ces 4 cubes-là vont disparaître. Crac. On va finaliser le contour, en tout cas pour ce qui est du premier plan. Bon, ça c'est parce que c'est un objet direct que je mets automatiquement dedans, entre guillemets, selon ce que j'en pense. Je suis désolé pour la lumière en dessous, c'est mon téléphone. Je ne vois plus l'orange. L'orange, il est là. Crac. Voilà, on est bon. Et donc ici, forcément, vous allez comprendre que ça va être différent. En termes de forme, ça va être légèrement différent. Bon, après, c'est rien de faramineux, hein, si je puis dire, mais c'est normal, c'est vis-à-vis du sol, tout bêtement. Objet. Lumière. Cuisine au beurre, c'est la meilleure. Lumière, vous savez, de la Belle et la Bête. ok, on est bon. Je récupère ça. Puisque là, voilà le moment fatidique où nous allons devoir nous occuper du passage. Bon, il y a large. Il y a large. Il y a très très large. Alors, on va quand même devoir faire attention. Vous voyez là par exemple, je pense avoir atteint une bonne limite. On va l'appeler. On va voir au niveau de l'angle. Si je peux encore passer, c'est bon. Je peux encore passer là. Je peux encore passer. Ok, mais je pense que là, ça va être notre limite à nous du coup. Hop là. Crac. On y va. Hop. C'est bien en deux, hein. Oui, c'est en deux. J'ai eu un doute. Hop. Donc on est bon. Donc pour mémoire, ceci sera... sans qu'on avait dit le centre commercial... non, l'arrival. Oui, donc ce qui ne servira finalement de centre commercial. Hein. J'ai chié. Forcément. Hop. Donc j'ai pas de plan par contre pour ce que je vais faire à l'intérieur. J'ai des plans pour l'extérieur, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Mais pour l'intérieur, j'en ai pas. Pour le moment, en tout cas. Ça va venir au fur et à mesure. Je vais aller voir juste en haut, au niveau des formes. On avait une forme. Ah bah, vous voyez, on l'a bien faite, la forme, ici. Ça, c'est une très très bonne nouvelle. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Et normalement, je devrais être bon. Je pénètre de 5 dans le truc. Donc,
Aucun mauvais jeu de mots, hein. 1, 2, 3, 4, 5. Donc si tu viens, ça fait un peu haut par contre, j'ai l'impression. Ça fait un peu haut. Non, c'est moi ou... Ça veut dire que j'ai combien de haut là-haut? Oui, ça semble beaucoup. 1. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en comptant le haut. La barre noire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc je pourrais venir jusque là. Voilà. Crac. Je remets le cube qui manque. Et on est bon. Donc normalement je devrais pouvoir venir jusqu'ici. Et finalement oui ça fait bien les 5. Hein. C'est moi qui m'étais planté dans le compte. Ok. On respecte la ligne qui est ici. Hop. Crac. Alors, je vais me mettre au-dessus pour avoir l'éclairage. Même si ça ne change pas grand-chose, je dois bien l'admettre. Ici, oui, je vais peut-être rajouter un petit peu de plaque. Voilà. Que je puisse pouvoir me tenir dessus quand même sans tomber bêtement. Donc c'est pas dur. 1, 2, 3, 4. Ok. Normalement là je suis bon. Ah j'ai chié. Puis le moment où je dis ça, hein, vous avez remarqué? Ok. C'est parti. Hop. Et on est bon. Ok, donc ce qui est bien c'est que les trucs autour fonctionnent. On va peut-être en remettre un au milieu. On verra hein, si c'est efficace ou pas. On peut voir aussi que je vais devoir refaire ce que j'ai fait là-haut, c'est-à-dire l'espèce de... Bah, d'arriver pour arriver en haut directement et repartir par exemple vers les centres de commande. Ce seront pas ceux qui sont forcément utilisés hein. Attention, hein, loin de là hein. Mais l'objectif c'est d'avoir quelque chose qui soit si je puis dire réaliste comme on le voit nous dans le jeu vidéo. C'est à dire souvent des choses qui sont assez symétriques. Ce qui en un sens rend aussi la chose un petit peu plus si je puis dire caricatural aussi je trouve des... Vous savez tout ce qui est vieux film tout ça. Moi j'aime bien tout ça. Comme par exemple on a pu le voir dans Alien Isolation le jeu, c'est pour ceux qui y ont joué. Finalement la station était assez symétrique en termes de pièces et en termes de morphologie si je puis appeler ça comme ça. Le orange ici. Crac. Rebleu. Et pas rebeu hein, calmez-vous. Crac. Ok. Je ne suis pas de ce genre-là, si je puis dire. Hop, on est bon. Crac. Et donc, ce qui fait que je peux rajouter le petit bout de bleu qui manque. Le bleu, c'est du fromage. Ok, bon. Donc, on a plus ou moins ce que je voulais. Maintenant, il faut que je réussisse à rétablir ces choses-là. Donc, vous savez, les petits oranges ici. Donc, normalement, ce sera ces 4 cubes ici, pardon. J'ai des cubes, ce sont des cubes. Ok, si je peux tomber, merci. Parce que tout ça, en fait, ça va donner aussi, ça va me forcer à faire des formes différentes à l'intérieur. Et c'est pour ça que je veux les faire avant. Parce que bien sûr, vous vous en doutez bien que je vais pas laisser les espèces de blocs qu'on voit autour. Je vais m'arranger pour que ce soit différent. Quitte à ce que ce ne se soit pas derrière les choses comme ça, vous savez, derrière la morphologie de la chose. Des pièces. Tout ça, le but, c'est quand même d'avoir quelque chose qui soit assez propre visuellement. Hop. Voilà, de quoi rajouter un tout petit peu de lumière. Est-ce que ça me fait pas gagner du temps? Ouf, non, ça me fera pas gagner de temps si je le fais comme ça. Ok. Bon, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Moi, ça a été, on va dire. J'ai plus joué au PC que ce que je pensais. Finalement, il a pas fait un temps magnifique non plus. Du coup, je suis un poil déçu. Mais bon, c'est comme ça. C'est la vie. J'espère en tout cas que vous avez eu vos examens, pour ceux qui ont passé. Et que vous avez eu vos places pour ceux qui ont cherché, hein, aussi. Il y en a qui cherchent pour les écoles, il y en a qui cherchent pour le boulot. Il y a du boulot.
J'espère que vous avez eu votre post-bac aussi, si vous, pour ceux qui le passent. Moi, je fais toujours la blague du post-bac à mon meilleur ami, hein, mais... Il la prend toujours aussi mal. ok. On est bon. On est bon, on est bon, on est bon. Ah oui, il y avait ça aussi. Non, ça me plaît pas ça. Par contre. Donc ça va me forcer à défaire ce que je viens de faire. Hein. Ça va me forcer à défaire ce que je viens de faire. Mais bon, c'est pas... Voilà. C'est pas excessivement grave que je le défasse. La grande question, c'est est-ce que... Ça me semble pas trop mal. Vous allez comprendre. L'orange. C'est joli. Ça me plaît. Ça me plaît, ça me plaît, ça me plaît. Crac, 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 crac. Ouais, visuellement, c'est pas si moche que ça. Ce que je vais peut-être faire, par contre, c'est pour éviter l'angle, vous savez, le côté angle. C'est trop anguleux, je vais peut-être faire ça comme ça. Ouais, c'est pas mal. Et du coup, je retirerai bien le cube au-dessus. Ouais, c'est bien. Ça me plaît. Ça me plaît, ça me plaît. Ça a l'air d'éclairer assez bien, en plus. Ouais. Ok, vendu, c'est pour moi, c'est bon. Du coup, ça m'oblige à enlever ça. Hop. Désolé. Du coup, je vous ai fait perdre un petit peu de votre temps. Mon dieu. Quel homme vil et machiavélique je suis. Ok, par contre, il faut que je récupère absolument tous les cubes que j'ai mis et que je remette les bons. C'est ça qui va être le plus chiant. De constamment faire ça. S'il te plaît, casse le bon cube, ce serait pas mal non plus, Marcus. Rusty panel. Nope. That's not what I'm looking for. Light metal. C'était ça. D'accord. Ok. Ah, ok, c'est bon. Et là aussi. Ok. Donc. Faut qu'on reprenne exactement ce qu'on a fait là-haut. Est-ce que je dézoomerai pas? Je suis déjà dézoomé à fond, putain, je m'en rends pas compte, quoi. Au niveau de l'angle en bas. Il n'y a pas d'éclairage du tout, du coup. Au niveau de l'angle en bas, ça partait vers le haut. Il semble que c'est ça que ça faisait, hein. Revérifions. J'ai une chanson de merde dans la tête. Vous moquez pas. C'est pas drôle. C'est la radio qui était moisie. Hop, donc. Un, deux, trois, quatre, cinq de haut. Alors, petit testicule. Non, toi j'aurais que tu t'en ailles par contre. Et en plus, c'est pas le bon. C'est pas le bon, c'est pas le bon, c'est pas le bon.
Ce qui d'ailleurs peut-être me poser un léger problème. On va voir. On va voir, on va voir. Ah, je fais de la merde sur ce côté-là. Ça va plus. Hop. Alors, l'escalier qui grimpe, qui grimpe, qui grimpe. L'araignée gypsy qui grimpe à la gouttière. Tiens, voilà la pluie. Je crois que je l'ai fait une case pas assez loin. De ce côté-là. Ah. Oui. Normalement. C'est ça. Il y a 1, 2, 3, 4, 5 plus le noir. Quatre, 5 plus le noir. C'est bien ça. Aha! Par contre, c'est en termes de hauteur que ça va le faire. Ok. Crac, on est bon. Ici. Parce que vous vous doutez bien que je peux pas faire la même forme en haut et en bas, pour le coup. Cependant, je peux peut-être garder le même principe. Cependant, je peux peut-être garder le même principe. Attendez, regardez. Je peux garder les mêmes dimensions finalement quand on y pense. Ce qui veut dire. Alors, ici, j'ai fait donc du 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Ah putain, mais du coup, à cause de ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est donc bon. Crac. Ouais, mais ça m'arrange pas des masses. Si, 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 ça m'arrange en fait finalement, parce que ici, du coup, ce que je peux faire, c'est placer du ça. Faire descendre les rails. Les rails, les rails, les rails, les rails qui sont, qui sont, qui sont, qui sont, qui sont ici. La lumière au passage. Hop. Hop. Bon. Crac. Ok. Ça me semble pas trop trop mal. Même s'il manque clairement quelque chose, hein. Je pense que vous serez tous d'accord avec moi. Peut-être que je peux passer sur un peu de dur. On va voir. Qu'est-ce qui se passe si, imaginons, je prends du cube. Ça passe. Je cogne nulle part. C'est un peu bas ici, hein. Rien m'empêche, cela dit, de faire ça comme ça, regardez. Hop. Histoire de garder toujours un petit peu le même.
Même principe. Bien que non, non, je vais pas faire ça comme ça. Parce que toutes les lumières que j'ai faites comme ça sont des lumières qui étaient, vous savez, inaccessibles, qui étaient presque inhérentes au reste de la station. Je regarde aussi où est-ce que j'en suis, moi, parce que je fais pas gaffe, mais... Crac. On a 20 minutes. Oula. Crac. Tu te calmes. Ok, je disais donc... Boum. C'est bon. Si je fais ça que comme ça passe. C'est tout aussi joli. C'est tout aussi joli. Même si j'ai l'impression d'avoir oublié un cube d'un côté. Oui, ça me semble plus juste comme ça. 3 d'un côté et 3 de l'autre. C'est ça. Ok, c'est mieux comme ça. Grande question, est-ce que je mets du coup cette plaque-là? Enfin, c'est celle-ci ou j'en mets d'autres? J'en mets peut-être d'autres. Bon, ce qu'on va faire, déjà, par principe, on est des champions, on est tous ensemble. Allez les bleus, on est tous avec vous. Et ça va être compliqué à balancer ça aussi, tiens. Attends. Voilà. Crac. Cool, merci. Pas mal, mais. Parce qu'il y a forcément un mais. Ou alors. Oh, je tiens peut-être quelque chose. Je tiens peut-être quelque chose, mais ça m'emmerde. Bon, on verra. On verra. On verra. Si je dois continuer ou pas sur ce chemin-là, je ne sais pas vraiment. Nom de Dieu, j'ai vraiment des chansons de vieux dans la tête en ce moment, c'est terrible. Je dis pas que c'est des mauvaises, hein, mais je dis que c'est des vieux. Hein. Ok. Wouah, magie, ça s'ouvre tout seul. Ok, cool. L'idée étant de pouvoir accéder à différents magasins, vous savez, qui sont calés ici. Et si, en fait... Et si... En fait... Tu fais un poil trop loin. Si en fait on en profitait comme ça. Ça implique donc qu'ici en fait. Ah! Voilà. Ce serait du bleu. Crac. Voyons voir. On touche peut-être quelque chose, chers amis, là. Ah, j'ai reçu des mails. Hop! Tu m'expliques pourquoi ça a pas coupé à cet endroit-là? Il y a eu un lag à ce moment précis, non, c'est ça? Ok. Hop, je récupère tout ça. Merci, merci, merci beaucoup. Merci, 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 merci. Voilà. Là, je me sens baisé comme un couillon parce que je peux pas remonter. Ce qui me fait penser d'ailleurs que j'ai pas pensé à mettre les lumières ici. Alors, grande question, grande question, grande question. Non, non, je vais mettre que des lumières qu'ici. Je vais vous expliquer pourquoi. Là-haut, j'ai mis des lumières qu'à un seul endroit. Par contre, j'ai laissé ce système-là, qui est placé, entre guillemets, cet effet-là, il y est déjà placé. Par conséquent, je vais y mettre autre chose. Et je vais garder ici cet endroit, ce système-là, pour la lumière.
fait que normalement, en prenant en passant par ici, je suis censé pouvoir tout récupérer. Hop. Voilà. Non, pas celui-là. Forcément. La petite bosse. Voilà. Ah là là. Je suis trop fort. Je suis beaucoup trop fort. Ok. Donc on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et donc des deux côtés, forcément, on va mettre le même système de lumière. Vous vous en doutez. Ce qui veut dire les mêmes cases oranges, le même système de lumière qu'en haut. Tout bêtement. Ah, il y en a deux là ici. Ah non, ce n'est qu'une que je ne peux pas. Attendez. Je vérifie quelque chose. J'aurais dû monter. Hercule, concentre-toi un petit peu. Voilà. Et ici, pareil en fait, finalement. Crac, on est bon. Cette fois-ci, on est même très bon. Je replace les cubes qu'il faut. Je mets l'orange. Et c'est tout bon. Ok. Et là, vous dites, ah, il n'y a plus de lumière. Marc, j'arrive, ne inquiétez pas. Hop. Si ça faisait pas les mêmes de chaque côté, en fait, j'aurais pas laissé ça comme ça. Ok. Et donc, on a le même système lumineux de chaque côté. Ça, c'est cool. Ok. Bon, c'est pas trop trop mal. Je dis souvent ok, vous inquiétez pas, c'est ok. Blague moi-y ! Bref. Continuons la construction. Je sais exactement ce que je veux mettre ici. Donc ça va m'aider très très beaucoup. Ça a beaucoup m'aidé. Parlons le François correctement. Crac, crac. Je récupère tout comme ça. Je gagne du temps. Hop. Faisons pareil de l'autre côté. Ce sera tout aussi vite fait. Beaucoup de bruit pour pas grand chose. Hop. Quitte à faire du bruit, autant de payer une belle motobilette. Pas une simple mobilette. Ok, on plonge. Ah, on plonge. Hop, c'est bon. Crac, apparemment je suis bon en termes de ce que je voulais faire. Ok, cool. Donc ça c'est le scrap, ça c'est le rusty. On va mettre le scrap, nous. Ce que j'aimerais, c'était mettre le scrap qui était un peu plus. On va dire un peu plus. Fonctionnel en termes de visuel, je trouve. Et donc, j'ai oublié de refermer plutôt les. Comment les. Le sol. Ici, ici. Crac. Ok, ce côté-là, c'est bon. Ensuite, normalement, de quelque part, il devrait y avoir des pipes. Voilà. Des pipes, des black pipes normalement devrait y avoir, non? Non, c'est moi qui suis stupide parce qu'en fait ces blacks là, je vais les refermer moi-même. Ce qui est bien, c'est qu'ils apportent quelque chose de non symétrique. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas si ça m'aide vraiment de les mettre en. Peut-être en blanc ce sera mieux. Ça ressort pas des masses, hein, cela dit. Ah non, ça c'est pas bon. Hop, ok. Noir, s'il te plaît. Crac. Voilà. Cela dit, le orange était bien aussi. Hein. Leur orange était pas si mal. Si je le passe dans mon orange. Ah oui. Bon. Je dis oui à ce que j'ai fait, mais pas à ce que j'ai mis au milieu. Ah, ça c'est moche par exemple.
Ok, encore un point pour l'orange. Et ici. Je dis oui. Franchement, je dis oui. Hein. Là, l'orange va parfaitement. Même, j'en viens à me demander si j'ai bien fait de mettre du noir au niveau des autres pipes. Genre ici. Aïe, là j'ai été stupide. Ah oui, l'orange est bien bien mieux. Sans conteste. Il apporte quelque chose, vous savez, de non linéaire. J'aime beaucoup le pipe pour ça. C'est assez aléatoire la façon dont il pose les trucs. Et du coup, on a une vraie impression de que c'est du câble en fait, que c'est quelque chose de vrai. Vous savez que c'est pas juste posé là de manière au pif quoi. Ok, donc je suis assez content de ça. On a pu faire une partie aussi intéressante ici. Maintenant, l'objectif serait d'avoir des magasins d'une assez grande taille, si je puis dire. Maintenant, je ne sais pas trop comment et ce que je mettrais là-dedans. Je sais que j'aurais pas forcément, et ça je l'avais déjà dit à l'époque, j'aurais pas forcément. Il va falloir que je refasse ça, tout ça là. Réflexionnons, réflexionnons. Non, il n'y a peut-être pas forcément besoin que je le fasse. Puisque si. Et là, par contre, c'est là qu'on va rentrer dans le domaine du. Est-ce qu'on va avoir de la chance ou pas? Si j'arrive à caler. Je suis à. Faut le dire, je suis à rien du tout d'y arriver. Hop, voilà. Si j'arrive à caler ici. Ce niveau très précisément. Je devrais être bon là. Normalement. C'est bon, c'est ça. Le dernier sol de magasin. Bon, je vais le placer par au-dessus. Hop. Crac. 1, 2, 3. Et le quatrième sera le bon. Merde, je suis allé trop loin apparemment. Non, même pas. J'ai chié, j'ai donc chié. Ok. Voilà. Ce qui me fait donc un magasin d'une taille respectable de. De 2, 4, 6 de haut. 2, 4, 6 et donc 8 de haut. Et là, vous vous dites la même chose que moi quand j'ai construit juste avant. Mais Marcus! Tes trucs, ils font pas la bonne taille! Comment tu fais pour aller dans le magasin derrière? 4, 6. Et voyez, c'est là que le problème se pose. C'est qu'en fait, là-haut, il n'y aura pas de magasin. Il y aura que. Enfin, là-haut, là, il n'y aura pas de magasin. Il n'y aura qu'un passage avec de quoi se stopper. Puisqu'en fait, je vais diviser en deux ici. Sinon, ça me semble pas valoir le coup. Crac! Allez, Marcus. Hop, voilà. Bon, eh ben nous, chers amis, on fera ça dans le prochain épisode, en tout cas, je pense. Je suis très content d'avoir pu câbler à peu près plus ou moins, en tout cas, ne serait-ce que ça. Enfin, ils sont pas câblés encore, mais c'est très rapide à câbler. Et surtout, je pense pas qu'on va avoir trop besoin de s'embêter au niveau des câbles. Vous verrez. Normalement, c'est bon. En tout cas, tout le reste est câblé. La forme de la pièce centrale est faite, ce qui est assez génial. On a pu faire aussi notre petit principe d'éclairage. J'ai pas fait là-haut, par contre. Et ça, j'aurais peut-être dû le faire. Ah, il y a un truc qui me dérange là-haut. Il y a un truc qui me dérange là-haut. Grappin. Vous voyez, ce qui me dérange, c'est qu'il y a une marche. Je suis chiant, hein. Vous voyez, en bas, y a une marche en bas? Vous
Là, il n'y en a pas, clairement, c'est au même niveau. Et là, ça me semble logique, en fait, ça, le truc, c'est que... Mais là, par contre... Oh, oui, il y a une marche. Intriguant. Intriguant, intriguant, intriguant. Je passe quand même, là, ou pas? Oui, je passe quand même, mais je me frôle la tête quand même dur. Il y a une marche, il y a une marche, il y a une marche. Par contre, si je place ceci... Ah, si tu veux bien. Il veut pas. Ok, bon bah tant pis alors. Si tu veux pas, bah tu passeras comme ça. Ok, bon bah... C'est pas une déception non plus, mais je suis surpris. Un peu désagréablement, mais surpris quand même. Ouais, non, ça passe après tout. Après tout, ça passe. Pourquoi pas. Ok, bon bah on va laisser ça comme ça. Ok les amis, bah moi je vous retrouve dans le prochain épisode pour la suite de cette construction. Salut! On en a vraiment pour longtemps au niveau de cette station, hein. Ça va être long. Comme à vite. Salut!